Je passe. Et moi, grand intrigant, je te fais mon cachet. Tu risques pas grand-chose. Comment pas grand-chose? Il me semble. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas payé. Quoi? La grève générale, alors? Oui. La révolte? Oui. L'anarchie? Oui. Eh bien, c'est bien. Je continuerai sans vous. Là, vous êtes fini. La tournée est terminée. Vous n'aurez pas un sou. Maintenant, il faut penser à nos affaires. Mais je suis sûr que nous réussirons à Paris. À Paris! Oh, qu'une ville honnête aussi romantique que Paris. Montmartre et Montparnasse, ce sont des paradis. On se dit en voyant tous ces chants et ces cris, on ne voit ça qu'à Paris. Mes camarades sont là, qui meurent de faim, ils sont sans gîte. Où coucheront-ils ce soir? Tenez, la voilà la crise. Oui, il la personnifie. Mais c'est l'autre phase de la vie que le public attend. Il faut lui faire croire, le persuader, mais lui fourrer de force dans le crâne que la crise est finie. La crise est finie, la crise est finie.